Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une recette avec des produits Biocoop, une pintade au morille. Pour cette recette, il vous faut une pintade, 150 g de garniture aromatique, carottes, oignons, poireaux, 2 oignons émincés, une branche de thym, une feuille de laurier, 30 g de morille séchée, 1,5 dl de crème liquide, un bouquet de persil, sel et poivre du moulin, 2 dl de vin blanc. Découpez ou demandez à votre boucher la pintade en 4 morceaux. Concassez la carcasse, faites suer avec un trait d'huile, ajoutez la garniture aromatique, colorez légèrement et couvrir d'eau. Faites cuire pendant 1 heure environ à frémissement. Assaisonnez les morceaux de volaille. Faites-les colorer légèrement sur toutes les faces avec de l'huile, puis les débarrassez. Dans la même matière grasse, faites suer des oignons émincés, déglacez avec le vin blanc, laissez légèrement réduire. Ajoutez le thym et le laurier et remettez les morceaux de pintade. Couvrir avec le fond de volaille. Faites cuire dans un four chaud à 170 degrés, thermostat 6, pendant 45 minutes environ, en arrosant régulièrement. Faites sauter vivement les morilles et égouttez avec une noisette de beurre, assaisonnée et réservée. Égouttez les morceaux de pintade, versez la crème et faites réduire afin d'obtenir une jolie crème onctueuse et gourmande. Ajoutez les morilles, saupoudrez de persil ciselé et rectifiez l'assaisonnement. Dressez les morceaux de pintade et les nappez de sauce. Servez avec des petites râtes juste rissolées.